Praise the Lord, everybody. Bonsoir à tous. So glad to be with you again. This is Pastor Ward and our wonderful interpreter, Janine. Nous sommes heureux d'être de retour avec vous. Et donc ici, c'est le pasteur John Ward et notre magnifique interprète, Janine. We've made it to our 8th week in this Bible study, and today we're going to finish it up. Et donc, nous sommes arrivés à la dernière semaine donc, de notre étude biblique et nous allons clôturer tout cela. I encourage you to download the book, to find Bishop Butler's book, Patience and Faith, if you have not already read it. Et donc, je vous encourage vraiment à télécharger ce livre de notre pasteur Keith Butler, donc La Patience et la Foi, et je vous encourage vraiment à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. But today we will continue, and before we do, let us go over some announcements. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer sur notre leçon, mais avant cela, nous avons quelques annonces pour vous. When we get to number 3, I have a very exciting announcement. Et donc lorsque nous arriverons à la troisième annonce, j'ai vraiment une très belle annonce à vous faire. First of all, in addition to Zoom, we are also broadcasting today live from our website, etudebibliquekbm.com. If you get disconnected for some reason or you're unable to reconnect through Zoom, please go over to the website and you will be able to connect there. Et donc, en addition donc de Zoom, nous diffusons également notre étude biblique sur notre site web etudebibliquekbm.com. Donc, si à un moment donné, vous êtes déconnecté pour quelque raison que ce soit et que vous n'êtes pas capable de vous reconnecter sur Zoom, s'il vous plaît, allez sur notre site et vous serez capable de vous reconnecter et de suivre la leçon. If you have Do TV, Max TV, our TV program entitled Live Your Faith is airing tonight and every Tuesday, even through the summer, at 10 p.m. Central European time. Be sure to tune in and hear a right-on-time word from Pastor Keith Butler. Et donc, si vous avez la chaîne Dieu TV, Max TV ou TV Programme, vous pouvez suivre notre programme de télévisé Vivez votre foi, qui est diffusé ce soir et chaque mardi à 22h, heure d'Europe centrale. Assurez-vous de vous connecter et entendre une parole qui arrive au bon moment et qui vient de notre pasteur Keith Butler. We will be starting our Pistis School of Ministry in French this fall. And if you believe that you are called to be a pastor, evangelist, teacher of the Word of God, apostle, prophet, church administrator, music minister, leader in the Helps ministry, or a missionary, and want to be more effective in what God has called you to do, then prayerfully consider attending this school. It's a 2-year program that will meet 4 nights a week. The program will be available online with live teaching from our experienced and anointed instructors. If you are interested in getting more information, I want you to go to the Q&A now and provide your name and email address. We will add you to the email list to send you the details when the brochure is available this summer. Pardon. Nous allons donc commencer notre école biblique, donc Pistis, donc l'école Pistis, en français cet automne. Et donc, si vous croyez que vous êtes appelé à être un pasteur, un évangéliste, un enseignant de la parole de Dieu, un apôtre, un professeur, que vous êtes appelé à gérer une église, à gérer le ministère de la musique, à être un dirigeant pour le ministère d'aide ou être un missionnaire et que vous voulez être beaucoup plus efficace dans ce à quoi Dieu vous a appelé, nous vous demandons de prendre le temps dans la prière pour considérer cela et de faire partie de cette école. Alors, c'est un programme qui se passe en 2 ans et ce sera durant 4 soirées par semaine. Et donc, le programme sera disponible en ligne avec des enseignements qui vont se faire en direct et de la part d'instructeurs qui sont vraiment wow et qui ont beaucoup d'expérience. Alors,
Si vous êtes intéressé et que vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez laisser votre nom et votre adresse email sur donc, le chat questions et réponses. Et voilà, vous donnez donc toutes vos coordonnées et nous allons vous rajouter sur une liste et par laquelle nous allons vous envoyer donc la brochure qui va paraître prochainement cet été. So again, if you are interested in going to Bible school, please go to Q&A now and give us your email and your information. Et donc, de nouveau, si vous êtes intéressé à prendre part à cette école biblique, nous vous encourageons donc à déposer vos coordonnées, votre nom, votre adresse email sur le chat questions et réponses et nous prendrons contact avec vous très bientôt et nous vous enverrons la brochure qui paraîtra cet été. We just need your email address and your name, and then we will add you to the list. Et donc, nous avons juste besoin de votre adresse email et de votre nom, et donc, et nous allons vous rajouter dans notre listing. Amen. And then finally, oh, there we go. We've got people already signing up. Et là, il y a déjà des gens qui s'inscrivent. Very good. Très bien. Très bien. This is our final session today of the online Bible study until the fall, but I encourage you to continue your studying, review the notes from this study, and watch the videos. They're on YouTube, but you can easily access them via the Bible study website, etudebibliquekbm.com. Et donc, ce soir, c'est notre dernière session d'études bibliques jusqu'à l'automne prochain. Donc, je vous encourage à continuer à étudier, à réviser vos notes de toutes les études que nous avons faites et à regarder de nouveau les vidéos. Donc, ces vidéos se trouvent sur YouTube, mais vous pouvez aisément y accéder via notre site web qui est etudebibliquekbm.com. And here we go. Let's pray and we'll get into today's Bible study. Et allons-y et commençons notre étude biblique d'aujourd'hui. Before we pray, let me say hello to some of our friends on Zoom. Et donc, avant de prier, laissez-moi saluer certains de nos amis qui sont connectés sur Zoom. Bonsoir Danielle, Amadio, Chantal, Colette, Emmanuel, Francine, François, Marie, Sherline, Paul, Stéphane, and I. Bonsoir. Okay, let's pray. Prions. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you and we praise you for this day. Père céleste, nous te remercions et nous te louons ce jour. We thank you for the ability to come before your presence and receive teaching from heaven. Merci pour cette capacité de pouvoir venir dans ta présence et de recevoir cet enseignement qui vient du ciel. We're not looking to people today, we're looking to you and to Holy Spirit to be our teacher. Nous ne regardons pas aux gens aujourd'hui, mais nous regardons à toi et à ton Saint-Esprit pour nous enseigner en ce jour. I'm asking you to think through my mind and speak through my lips and say what you want to say. Et je te demande de penser à travers moi et d'utiliser ma bouche et de diriger tout ce que je vais dire. We covenant with you in advance to give you all the praise, all the honor, and all the glory in Jesus' name. Nous nous mettons dans cette alliance pour te donner toute l'honneur et toute la gloire au nom de Jésus. Amen and amen. Amen et amen. Okay, let's start with Hebrews chapter 10. And nous allons commencer avec le livre de Hébreux au chapitre 10. Verse, what did we say? 25, whatever I said before, Hebrews 10, 25. It was 35. Okay, perfect. Donc, Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. One translation says, don't throw away your confidence because it has a great reward. Une traduction dit, n'abandonnez pas votre assurance parce qu'elle a une grande rémunération, une grande récompense.
God wants us to receive everything that he has promised. Dieu veut que nous recevions, pardon, tout ce qu'il a promis. The scripture tells us that all of the promises of God in Christ are yes and amen. L'Écriture nous dit que toutes les promesses en Dieu sont oui et amen. One thing that we have discovered is that God already has a good plan for our lives. Une des choses que nous avons découvertes, c'est que Dieu a déjà un bon plan pour nos vies. Through faith in God's word, we begin to discover and realize what he has already promised. Au travers de la foi que l'on a dans la parole de Dieu, nous avons découvert toutes les promesses qu'il a pour nous. And so, prayer and the word of God is not trying to get God to change his mind. Et donc, la prière, ce n'est pas, elle n'est pas faite pour changer la pensée de Dieu. God has already determined to bless us. Dieu a déjà déterminé le fait qu'il veut nous bénir. And yes, we receive these blessings through faith. Et oui, nous recevons toutes ces bénédictions au travers de la foi. But not just faith, also patience. Mais pas seulement la foi, mais également la patience. So many times Christians do not receive answered prayer, not because of God, but because we don't have patience. Trop souvent, les chrétiens ne reçoivent pas des réponses à leurs prières. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est à cause de la patience. Let's remember what the Greek word is for patience. Souvenons-nous du mot grec qui est utilisé pour la patience. The Greek word for patience is hypomanie. Le mot grec pour patience est hypomanie. It means endurance or staying power. Cela veut dire de l'endurance ou rester en puissance. It's the ability to stay even though there is difficulty or things are contrary to what we believe. C'est la capacité de rester en dépit des difficultés, en dépit, sorry, Pastor, you say... Or contrary to what we see. Ou même si c'est contraire à ce que nous voyons. So we're going to continue today, if you have your notes, on point R. Mine is page 18 on point R. And it says, your patience encourages others. Et donc nous allons continuer aujourd'hui au point R. Et donc dans les notes en français, c'est à la page 20. Et donc votre patience encourage les autres. You are a person of influence. People will do what they see you do. Not just what you say. They see you operating in faith, but then quitting before the end result. It influences them away from God. Et donc, vous êtes une personne d'influence. Les gens feront ce qu'ils vous voient faire, pas seulement ce que vous dites. Ils vous voient opérer dans la foi, mais ensuite abandonner avant les résultats finaux. Et cela les éloigne de Dieu. In other words, we are responsible and we share responsibility in other people's view of real faith. En d'autres termes, nous sommes responsables et nous partageons la responsabilité de la manière dont d'autres personnes considèrent la foi. And so it's important that we, by example, show people the love, the goodness, and the faithfulness of God. Et donc, c'est important que nous nous montrions l'exemple en démontrant l'amour, la patience de Dieu. It doesn't mean that sometimes people won't see you fall. Cela ne veut pas dire que les gens parfois ne vont pas vous voir tomber. But it's important that if they see you fall, that you correct it by telling people what God's word says. Mais c'est important que s'ils vous voient tomber, que vous corrigez cela en leur disant ce qu'exactement dit la parole de Dieu. All of us make mistakes. Nous tous nous faisons des erreurs. But God never makes a mistake. Mais Dieu, lui, ne fait jamais d'erreur.
And we want people to understand the difference between us and God. Et nous voulons que les gens puissent comprendre la différence entre nous et Dieu. Amen. Amen. Give God time to make a masterpiece in your life. Donc, donnez le temps à Dieu de faire un chef-d'œuvre dans votre vie. I'm on page 19, S is in Sam. Et donc, c'est le point S à la page 20. Patience is a virtue. It will bring you to a place of full maturity, where you will lack nothing. Take heart. Your faith is out there working on what you are believing God for. If you wait long enough, time will bring it to full maturity. Et donc, la patience est une vertu. Cela vous amènera à un lieu de pleine maturité où vous ne manquerez de rien. Prenez courage, votre foi est en train de travailler sur ce pourquoi vous croyez en Dieu. Si vous attendez assez longtemps, le temps l'amènera à pleine maturité. It doesn't mean that it has to take long, but every harvest is dependent upon what you are believing God for. Cela ne veut pas dire que ça doit être toujours long, mais chaque moisson dépend de ce pourquoi vous croyez en Dieu. It's just like the example of the apple and the apple tree. Once you've sowed the seed, you have to wait for the tree to grow, and then you have to wait for the time of harvest when the apples are produced. Et donc, c'est comme l'exemple d'un pommier et d'une graine, d'un pépin de pomme. Et donc, on doit attendre que le pommier grandisse et qu'il produise des fruits que sont les pommes. Remain patient while God is working on it. Il faut rester patient pendant que Dieu travaille. Now, what I'm about to say is very important. Ce que je vais dire maintenant est très important. There is the planting of the seed. Il y a le moment où on plante la semence. There is the watering of the seed. Il y a l'arrosage de la semence. And then there is the harvest of the crops. Et ensuite, il y a la moisson de toute la récolte. Don't forget the importance of water. N'oubliez pas l'importance de l'eau. The seed will never grow without water. La semence ne va jamais grandir sans l'eau. I'm going to say it again. The seed will not grow without water. La semence ne va pas pousser sans l'eau. So you say, how do we water the seed? Et donc vous allez dire, mais comment est-ce qu'on arrose la semence? And let me give you a scripture so you don't depend on my opinion. Et je vais vous donner un verset afin que vous ne vous reposiez pas sur mon opinion à moi. Let's go to First Corinthians 3 and verse 6. Allons dans 1 Corinthiens 3. Et verset 6. Remember that if you can find it in the Word of God, you are obligated to believe it. Souvenez-vous que si vous pouvez le trouver dans la parole de Dieu, vous êtes obligé d'y croire. Remember the scripture we started out with today. Souvenez-vous de l'écriture avec laquelle nous avons commencé aujourd'hui. Don't cast away your confidence. N'abandonnez pas votre assurance. Because it has great reward. Parce qu'elle a attaché à elle une grande récompense. But you have to keep saying the same thing. Mais vous devez continuer à dire la même chose. So let's read 1 Corinthians 3, verse 6. Et donc lisons 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté. Read verse 5. Je vais lire le verset 5 plutôt. 5 et 6. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. So God makes it grow,
But it cannot grow if you don't keep watering it. Dieu la fait grandir, mais elle ne peut pas croître si vous ne continuez pas à l'arroser. And the way we water it is you must keep speaking the word of God. You must hold fast to your confidence. Et donc, la manière dont on l'arrose, c'est qu'on doit continuer à déclarer la parole et que l'on reste accroché à notre assurance. Remember, the word confidence in the Greek is the word parousia. Souvenez-vous que le mot assurance en grec, c'est le mot parousia. It means all outspokenness or boldness. Et donc, cela veut dire toute la témérité, toute l'ouverture que l'on a. The reason we are bold is because we know that God cannot lie. La raison pour laquelle nous sommes téméraires, c'est parce que nous savons que Dieu ne peut pas mentir. If God said it, he will do it. Si Dieu l'a dit, il va le faire. And in patience, we continue saying the same thing that we are believing God for. Et dans la patience, nous continuons à dire encore et encore ce pourquoi nous croyons en Dieu. Even though we don't see it, even though we don't feel it, even though we don't understand it, we keep speaking the word of God and watering the seed. Même si nous ne le voyons pas, nous ne le sentons pas, nous ne l'entendons pas, nous continuons à déclarer cela jusqu'à ce qu'on le voit. Okay, so now let's continue. T, don't settle for less. Hold out for God's best. By faith, know that God is working on your situation. Et donc le point T, ne vous contentez pas du moindre. Patientez pour ce que Dieu a de meilleur pour vous. Donc par la foi, sachez que Dieu travaille sur votre situation. Hold out until you see the full manifestation. Donc, tenez bon jusqu'à ce que vous voyez la pleine manifestation. Believers don't quit. Les croyants n'abandonnent jamais. Believers don't quit. Les croyants n'abandonnent pas. Remember what we talked about. A believer's job is to do one thing, and that is believe. Souvenez-vous de ce dont on a parlé. Le travail d'un croyant, c'est une chose, et c'est quoi? C'est croire. And believing is very simple. It means you believe in your heart and you say with your mouth. Et croire, c'était très simple. Cela veut dire que vous croyez dans votre cœur et vous le dites de votre bouche. So let's talk for a moment about the characteristics of faith in Roman numeral 4, the first A. Et donc, regardons maintenant aux caractéristiques de la foi. Et c'est le chiffre romain 4. Let faith dictate everything in your life. La foi doit dicter toute chose dans votre vie. Remember, 4 times the Bible tells us that the just shall live by faith. Souvenez-vous que 4 fois la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Okay. Habakkuk chapter 2 and verse 4 says, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by faith. Habakkuk 2:4 dit, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. The just describes individuals who have been made right with God and are born again. Et donc, le juste, c'est ceux qui se tiennent droit devant Dieu et qui sont nés à nouveau. They don't live by their job or live by some other means. Ils ne vivent pas par leur emploi ou par d'autres moyens. They're not a Christian on Sunday and then an unbeliever Monday through Saturday. Ils ne sont pas chrétiens le dimanche et des incrédules du lundi au samedi. No, we are not those that live one way on Sunday and then some other way the rest of the time. Non, nous ne sommes pas de ceux qui vivent d'une manière le dimanche et d'une autre manière du lundi au samedi. We call that a hypocrite. Nous appelons cela un hypocrite. The just live by faith. Le juste vit par la foi.
Jesus said in Matthew chapter 4 that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Jésus a dit dans Matthieu 4 que l'homme ne vit pas par le pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Faith comes by hearing, and hearing by the word from God. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. We live by these words. Nous vivons par ces paroles. That's why it is so important to read your Bible every day. C'est pour cela que c'est si important de lire votre Bible tous les jours. As you read the Bible, it will protect your faith. Comme vous lisez votre Bible tous les jours, elle va protéger votre foi. Remember again, Jesus said, man will not live just by food, but by the word of God. Souvenez-vous que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Food is for your body. The word of God is for your spirit. La nourriture, c'est pour votre corps. La parole de Dieu, c'est pour votre esprit. If you don't get spiritual food, your spirit will become emaciated or very, very weak and tired. Si vous n'avez pas de nourriture spirituelle, votre esprit va devenir émacié, affamé, très fatigué. Amen. Amen. The word live, to live by faith, implies everything there is to do with your life. Le mot vivre, vivre par la foi, implique tout ce qui concerne votre vie. So if you are living by faith, then faith will dictate everything, including your relationships, your money, your sex life. Everything that you do will be dictated by the word of God. Donc tout, si vous vivez par la foi, alors la foi dictera tout, y compris vos relations, votre argent, votre vie sexuelle. Tout sera dirigé par la parole de Dieu. Matthew 23, verse 23 says, woe unto you, scribes and Pharisees, you are hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin. And you can read it, please. Et donc, Matthieu 23, 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Basically, he says, you pay attention to certain things that others will see, but you don't pay attention to the more important things. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? Il voulait dire que vous faites attention aux choses que les autres vont voir, mais vous ne prenez pas garde aux choses qui sont beaucoup plus importantes. One of the most important things is our character and our integrity. Une des choses les plus importantes, c'est notre caractère et notre intégrité. Integrity is a characteristic of faith. Integrity is one of the first characteristics seen in a man or woman of faith, as we see with Timothy and with Abel. L'intégrité est une des importantes caractéristiques de la foi. Of course, Timothy was Paul's son, and he followed what Paul taught. Et donc, on trouve ce caractère d'intégrité dans Timothée et Abel. Timothée était le fils de Paul et il a suivi tout ce qui lui était enseigné. Now, of course, Cain and Abel were also the sons of Adam and ultimately the sons of God. Cain et Abel étaient les fils d'Adam et par ricochet, les fils de Dieu. But Abel believed God. And Cain did not. Mais Abel a cru en Dieu et Cain n'a pas cru en Dieu. God tried to help Cain, but Cain would not listen. Dieu a essayé d'aider Cain, mais Cain n'a pas écouté. One walked by faith and the other one did not. L'un a marché par la foi et l'autre ne l'a pas fait.
All of us trip and fall and miss it at times. Nous tous, nous trébuchons, nous tombons, parfois nous ratons le but. Never sit around and feel bad about what you would have, could have, or should have done. Ne restez pas là et pensez à ce que vous auriez dû, vous auriez pu faire. None of that is going to help. What's important is what you do now, keeping your heart right with God. Rien de cela ne va aider. Ce qui est important, c'est ce que vous faites maintenant, de garder votre cœur en Dieu. A proud person is someone who thinks that they know better than God. Une personne orgueilleuse est une personne qui pense qu'elle connaît mieux que Dieu. But we never know better than God. Mais jamais nous ne connaîtrons mieux que Dieu. The Bible says that God resists the proud. La Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux. The Amplified Bible says that God fights against and frustrates the proud. La version amplifiée de la Bible dit que Dieu combat contre et frustre l'orgueilleux. But God gives grace to the humble. Mais Dieu donne grâce à l'humble. So humble yourself under the mighty hand of God, and he will exalt you in due time. Et donc, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et il va vous élever au bon moment. 1 Timothy 6, 10 and 11, if you could read that, please. 1 Timothée 6, 10. First Timothy 6, 10, Pastor? Yeah, 10 and 11. It's in your notes on page 20. Point donc, 1 Timothy 10, 11. Yeah. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. So notice it says the love of money is the root of all evil, not money. Notez qu'il est écrit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il n'est pas dit l'argent. Money is not the problem, it's greed and the desire to have money. L'argent n'est pas le problème, c'est la cupidité, ce désir d'avoir de l'argent qui est un problème. One of the things that will keep us from falling into greed is being a tither. Une des choses qui va nous empêcher de tomber dans la cupidité, c'est de donner sa dîme. Tithing is in the New Testament. Donner sa dîme, cela se retrouve dans le Nouveau Testament. And I won't say anything more about that right now. Et je ne vais pas en parler plus maintenant. Page 21, F as in Frank. Building your faith keeps your body out of sin. Et donc, édifier votre foi va garder votre corps contre le péché. Fornication is sex outside of marriage. And God says to run from fornication. La fornication, c'est le sexe en dehors du mariage et Dieu nous demande de nous enfouir de cela. Jude, chapter 1, 20 and 21, please. Jude 1, de 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. If you feel an overwhelming desire for sin, the answer is right here in the scripture. Si vous ressentez un besoin immense de péché, la réponse se trouve ici, dans cette écriture. The more that you pray in the spirit, the more you are subjecting your body to be controlled by the spirit.
Le plus vous priez par le Saint-Esprit, de plus vous soumettez votre esprit par l'Esprit-Saint. The Holy Spirit warns us that in the last day, some will deny the power of God. L'Esprit-Saint, la parole nous met en garde que dans les derniers jours, certains vont renier la puissance de Dieu. The scripture says they will have a form of godliness, but deny the power thereof. L'Écriture dit qu'ils auront une forme de divinité, mais ils vont renier la puissance qui s'y trouve. What power are we talking about? De quelle puissance est-ce que nous parlons? We're not talking about the gifts of the Spirit. Nous ne parlons pas des dons de l'Esprit. We're not talking about the power to heal a body. Nous ne parlons pas de la puissance de guérir un corps. We're talking about the power to keep the flesh under control. Nous parlons de la puissance qui permet de garder la chair sous contrôle. The scripture tells us in Ephesians 3:20 that God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that's working inside of us. L'Écriture nous dit dans Éphésiens 3:20 que Dieu est capable de faire excellemment au-delà de ce que nous pouvons, nous pensons, selon la puissance qui agit en nous. Très bien, Janine. That was a lot. Okay, so the more you pray in the Spirit, the more power you make available to overcome these lusts and these desires. De plus, vous priez en esprit, de plus, vous libérez cette puissance qui va permettre de dominer cette luxure et ces désirs. The more you pray, the more you can dominate your flesh. Le plus vous priez, le plus vous pouvez dominer votre chair. If you're feeling overwhelmed, you need to pray. Si vous vous sentez dépassé, vous avez besoin de prier. If you're feeling weak, you need to pray. Si vous vous sentez faible, vous avez besoin de prier. Little prayer produces little power. Some prayer produces some power. And lots of prayer produces lots of power. Une petite prière produit une petite puissance. Quelques prières produisent quelques puissances. Mais beaucoup de prières libèrent beaucoup de puissance. Oui. Okay. Daily fellowship with God is a characteristic of faith. H. Le point H, une communion quotidienne avec Dieu est une caractéristique de la foi. Notice in Genesis 5:22 to 24, please. Read it in the Amplified Bible, point 3. Donc, la Genèse 5, 22, 24, je vais lire la version amplifiée. Enoch a marché en communion habituelle avec Dieu après la naissance de Mathusalem, 300 ans, et a eu d'autres fils et filles. Ainsi, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, et Enoch marchait en communion habituelle avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit chez lui, avec lui. Amen. You're not going to be able to walk in faith if you don't walk with God and hear his voice. Vous ne serez pas capable de marcher dans la foi si vous ne marchez pas avec Dieu et si vous n'entendez pas sa voix. His voice is what produces faith. Sa voix, c'est ce qui produit la foi. If we don't walk with him, we won't hear him and our faith will not be strong. Si nous ne marchons pas avec lui, nous n'entendrons pas sa voix et notre foi ne sera pas forte. Again, this is why prayer is so important, because prayer is communication with God. C'est pour cela que la prière est importante, parce que la prière, c'est une communication avec Dieu. Okay, fellowship gives joy even in challenging times.
La communion donne de la joie, même dans des moments difficiles. I want you to remember the Garden of Gethsemane. J'aimerais que vous vous rappeliez le jardin de Gethsemane. What was Jesus doing in the garden? Qu'est-ce que Jésus faisait dans le jardin? He was praying. Il priait. He was fellowshipping with God. Il communiait avec Dieu. He was hearing from God. Il écoutait de Dieu. And the Bible tells us in Philippians, no, in Hebrews chapter 12, that for the joy that was set before him, he endured the cross. Et la Bible dit dans Hébreux 12 que pour la joie qui était mise devant lui, il a enduré la croix. For the because of the joy, he endured the cross. À cause de la joie à venir, il a enduré la croix. The word endurance is another word for patience. Le mot endurance est un autre mot que l'on peut utiliser pour la patience. Because of joy, he was able to be patient. À cause de la joie, il a été capable d'être patient. Joy is not ha 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 ha. La joie, ce n'est pas ha 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 ha. That's happiness. Ça, c'est le bonheur. Joy will produce happiness. La joie va produire le bonheur. But happiness is only dependent upon the circumstances. Mais le bonheur dépend uniquement des circonstances. Joy is a fruit of the Spirit that is produced by faith. La joie est le fruit de l'esprit qui est produit par la foi. Read Romans 15:13. Je vais lire Romains 15:30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Is 15:30, hein, Pastor? Yeah, the God of all hope fill you with all joy and peace. No. Romans. Mm-hmm. Un moment. Un instant, s'il vous plaît. Romans 15:1-5, 1-3. 15:13. Ah, yes, I heard 30, I'm sorry. No problem. C'est Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. This is a scripture I know very well. C'est un verset que je connais très bien. Because it tells me that as a believer, there are two things I should be looking for continually in my life. Parce qu'il me dit que moi, en tant que croyant, il y a deux choses que je dois rechercher continuellement dans ma vie. It tells me that when I am believing, I'll be filled with all joy and all peace. Il me dit que lorsque je crois, je serai rempli de toute joie et de toute paix. Have you ever felt like you had no joy and you had no peace? Est-ce que vous avez déjà ressenti le fait que vous n'avez aucune joie et aucune paix? Of course. And there are times where we feel weak and we feel that we don't have joy and we feel that we don't have peace. Il y a des moments où nous sentons faibles et nous sentons que nous n'avons pas de joie et que nous n'avons pas de paix. It's important not to ignore this. C'est important de ne pas ignorer cela. Because there are two things that you need in order for your faith to see you through to victory. Et c'est important parce qu'il y a des choses que l'on a besoin pour que notre foi nous emmène jusqu'à notre victoire. Both of them are fruit of the Spirit. Les deux sont le fruit de l'Esprit. And two of these fruit is joy and peace. Et ce fruit, c'est la joie et la paix. Have you ever met a Christian
who you knew was a Christian, and down in their heart, they loved God, but they were always down and depressed. Est-ce que vous avez déjà rencontré un chrétien? Vous savez qu'il est chrétien, mais là, dans son cœur, vous l'avez toujours connu avec le moral très bas et déprimé? I like to talk about two kinds of Christians. J'aime parler de deux sortes de chrétiens. One Christian's name is Vic Victory. Il y a un des chrétiens dont le nom est Vic, Victoire. The other one's name is Terry Trial. Et l'autre c'est épreuve. Vic Victory always has a smile on his face. Vic Victoire a toujours un sourire sur le visage. He's always speaking the word of God. Il parle toujours la parole de Dieu. He's always singing and excited. Il chante toujours, il est toujours enthousiaste. When he sees a problem, he describes it in a certain way. Lorsqu'il voit un problème, il le décrit d'une certaine manière. When Terry Trial is around, he's always down. Et lorsque Épreux est là, lui, il est toujours, il n'a jamais le moral. He says he loves Jesus, but he's always frustrated and tired. Il dit qu'il aime Jésus, mais il est toujours frustré et toujours fatigué. And Terry Trial described going through a problem. Et Épreux décrit comment il traverse les problèmes. He said, oh, it was a terrible situation. It was so bad and it was so hard and I barely made it through the problem. Il dit, oh, c'était terrible ce problème. C'était vraiment mauvais. C'était vraiment difficile. J'ai vraiment eu du mal à m'en sortir. He said it was a huge mountain and it was so hard to climb. Il dit, c'était une montagne immense, c'était tellement difficile de grimper. I couldn't sleep, I lost weight, it was terrible. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai perdu du poids, c'était terrible. But Vic Victory went through the same problem. Mais Vic Victoire a traversé le même problème. And someone told him about Terry's mountain. Et quelqu'un lui a parlé de la montagne d'Épreux. And Vic said, mountain? What mountain? That was just a little hill. Et Vic, il dit, une montagne? Mais quelle montagne? C'était juste une petite vallée. It was no big deal at all. C'était pas un gros souci du tout. As a result of that trial, I got more sleep, I got more food, I got more energy, I got more friends, and I got the victory. Et donc, au résultat de cette épreuve, j'ai eu plus de sommeil, plus de nourriture, plus de paix, et j'ai eu la victoire. Because every one of God's promises are yes and amen. Parce que chacune des promesses de Dieu est oui et amen. And I never worry about anything because God is on my side. Et je ne me suis jamais inquiétée de quoi que ce soit parce que Dieu est de mon côté. There are two perspectives as a Christian. Il y a deux perspectives en tant que chrétien. One is full of faith. Un, c'est plein de foi. And one is full of sight. Et un, c'est plein de ce que l'on voit. A true Christian walks by faith and not by sight. Un vrai chrétien marche par la foi et non par la vue. And a true Christian is full of joy and full of peace. Et un vrai chrétien est plein de joie et plein de paix. So the reality is, if you feel weak, you are being like Terry Trial. Et donc la réalité est, c'est que si vous êtes faible, vous êtes comme Épreux Épreuve. But if you are strong, even though you don't see the answer, then you are like Victory. Et si vous êtes fort, même si vous ne voyez pas la réponse, vous êtes comme Vic Victoire. I think everybody knows who Kenneth Hagin is. Je pense que tout le monde connaît qui Kenneth Hagin est. He's now in heaven. Il est maintenant au ciel. But when he was on the earth, he used to always make this statement. Mais lorsqu'il était sur la terre, il disait toujours ceci.
He would say all the time, "Thanks be to God who gives me the victory." Il disait toujours, Dieu merci qui nous donne la victoire. That's 2 Corinthians 2:14. C'est 2 Corinthiens 2:14. Come on, say it with me. Thanks be to God who always gives me the victory. Dites avec moi, grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire. Actually, that's 1 Corinthians 15:58. En fait, c'est 1 Corinthiens 15:58. 2 Corinthians 2:14 says, "Thanks be unto God who always causes me to triumph." 2 Corinthiens 2:14 dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen. Amen. Brother Hagen used to always say this. He would say, "I will not quit and I cannot be defeated." Le frère Hagen disait toujours, "Je n'abandonnerai pas et je ne serai jamais battu." You say, "Pastor, how do you know that you won't be defeated?" Vous dites, "Pasteur, mais comment est-ce que tu sais que tu ne seras jamais battu?" Because his word promises me that I will have the victory. Parce que sa parole promet que je vais avoir la victoire. Jesus knew that if he would not quit, he would come through that trial. Jésus savait que s'il n'abandonnait pas, il allait sortir de cette épreuve. In the Garden of Gethsemane, the pressure was so heavy that he was sweating drops of blood. Dans le jardin de Gethsemane, la pression était telle qu'il transpirait des gouttes de sang. But he wouldn't quit. Mais il n'a pas abandonné. He wouldn't stop speaking the word of God. Il ne s'est pas arrêté de parler la parole de Dieu. And because he kept speaking the word of God and praying, he had joy. Et parce qu'il a continué à parler la parole de Dieu et à prier, il a eu la joie. And because of the joy, he had strength to endure the trial. Et à cause de la joie, il a eu la force d'endurer l'épreuve. Remember, endurance is patience. Souvenez-vous, l'endurance, c'est la patience. Patience causes your faith to produce. La patience fait que votre foi produise. Now, go to page 23, letter O. Allons maintenant au point O, c'est la page 25 en français. Judging God is faithful is another characteristic of faith. Juger Dieu comme étant fidèle est une autre caractéristique de la foi. We read Hebrews 11:11, please. Hébreux 11:11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Sarah judged God faithful. Sarah a jugé Dieu comme étant fidèle. The way that we know she judged God faithful is because her words. La manière dont nous savons qu'elle a jugé Dieu comme étant fidèle, c'est à cause de ses paroles. Remember the simplicity of faith. It has nothing to do with how you feel. Souvenez-vous de la simplicité de la foi. Cela n'a rien à voir à cause de ce que vous ressentez. Faith is not a feeling. Jesus said, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." La foi n'est pas un sentiment. Jésus a dit que de l'abondance de votre cœur, la bouche parle. It's not confusing. You can find out easily whether or not you are in faith. Et donc, il n'y a pas de confusion là-bas. Vous pouvez facilement déterminer si vous êtes dans la foi ou pas. Just listen to your words. Écoutez juste vos paroles. Just listen to your words. Écoutez vos paroles. For example, if your friend is asking you for help, all they have to do is describe the issue to you. Par exemple, si votre ami vous demande de l'aide, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vous décrire le problème. Very quickly, you will find out where their faith is. Très facilement, vous allez découvrir où se trouve leur foi.
For example, if they are having a medical problem, they might say, I am sick. Par exemple, s'ils ont un problème donc physique, ils vont vous dire, par exemple, je suis malade. If you say, I am sick, you've taken ownership of the sickness. Si vous dites, je suis malade, cela veut dire que vous avez pris la propriété de la maladie. But 1 Peter 2:24 says to Christians that by his stripes you were healed. Mais 1 Pierre 2:24 dit aux chrétiens que par ses meurtrissures vous avez été guéris. The prophet Isaiah said, whose report will they believe? Le prophète Isaïe a dit, en quel Dieu croyons-nous? En quel rapport croyons-nous? We find out whose report we believe based on what we say. Nous avons trouvé en quel rapport nous croyons dans ce que nous disons. If we say by his stripes we are healed, then we know that we are in faith. Si nous disons que par ses meurtrissures nous avons été guéris, et donc nous savons que nous nous trouvons dans la foi. And as we keep saying it and keep saying it and keep saying it, patience will bring your faith to manifestation. Et lorsqu'on continue à le dire encore et encore, votre foi va emmener la patience à se manifester. But if you quit, you won't get the harvest. Mais si vous abandonnez, vous n'allez pas avoir la moisson. So say this with me. I will not quit and I cannot be defeated. Dites avec moi, je n'abandonnerai pas et je ne serai pas battu. Again, I will not quit and I cannot be defeated. Je n'abandonnerai pas et je ne serai pas battu. Say this with me. Thanks be unto God who always causes me to triumph. Dites ceci avec moi, grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher. God is on my side. Dieu est de mon côté. My faith is working right now. Ma foi agit maintenant. God's promises are coming to pass. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Every promise is yes and every promise is amen. Chaque promesse est oui et chaque promesse est amen. What God has done for others, ce que Dieu a fait pour les autres, he will do for me. Il le fera pour moi. What God has done for others, ce que Dieu a fait pour les autres, he is doing for me. Il est en train de le faire pour moi. I will not quit. Je ne vais pas abandonner. I will never quit. Je n'abandonnerai jamais. And I cannot be defeated. Et je ne peux pas être battu. God is on my side. Dieu est de mon côté. The blood has been applied. Le sang a été appliqué. My faith shall not be denied. Ma foi ne sera pas reniée. And I'm going to see the harvest. Et je vais voir la moisson. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Well, this finishes our study on patience and faith. And I think today was the best day yet. Et je crois qu'aujourd'hui, ça clôture notre étude sur la foi et la patience. Et je crois que c'était notre meilleur jour. Praise God. Let me go over a few announcements. As I'm doing that, when I get to... Go ahead. Je vais vous donner donc quelques annonces et pendant que je fais cela. At the beginning of today, we announced that the Bible, the Pistis School of Ministry will start this fall in French. Et donc, au commencement de l'étude biblique, nous avons annoncé que l'école biblique Pistis va commencer en automne en français. If you want more information on our Bible school, go to the Q&A right now and give me your name and your email and we will send you more information. Si vous êtes intéressé à aller à l'école biblique, posez donc dans le chat question-réponse votre nom et votre adresse email pour que nous puissions vous transmettre plus d'informations.
If you are called to do more for God, you really want to pray about going to our Bible school. Si vous êtes appelé à faire plus par Dieu, vraiment prenez le temps dans la prière de venir dans cette école biblique. It's online and you will learn from home. C'est en ligne et donc vous allez pouvoir étudier de la maison. And of course, it's in en français. Et bien sûr, c'est en français. Okay, so if you have Do TV or Max TV, our TV program entitled Live Your Faith is airing tonight and every Tuesday at 10 p.m. Central European Time. Be sure to tune in and hear a right word from God through our pastor Keith Butler. Et donc, si vous avez les chaînes Dieu TV ou Max TV, nous diffusons ce soir à 22h30 notre programme télévisé Vivez votre foi. Donc, c'est 22h, heure d'Europe centrale. Et la parole est donnée par notre pasteur Keith Butler. If you have any questions from this study from the last 8 weeks, you can put your questions also in the Q&A right now. Et donc, si vous avez donc des questions concernant cette étude que nous avons fait ces 8 dernières semaines, vous pouvez les poster maintenant sur notre chat questions et réponses. We are starting our Pistis School of Ministry in French this fall. If you believe that you are called to be a pastor, evangelist, teacher of the Word of God, apostle, prophet, church administrator, music minister, leader of the Helps Ministry, or a missionary, and want to be more effective in what God has called you to do, then prayerfully consider attending this school. It's a 2-year program that meets 4 times a week. The program will be available online with live teaching in French from our experienced and anointed instructors. If you are interested in getting more information, I want you to go to the Q&A right now and provide your name and email address. We will add you to our email list and give you details and send you a brochure this summer. Donc, comme nous l'avons annoncé, donc nous allons commencer notre école biblique Pistis en français cet automne. Et donc, si vous croyez que vous êtes appelé par Dieu pour être un pasteur, un évangéliste, un enseignant de la parole de Dieu, un apôtre, un prophète, un administrateur d'église, appelé dans la musique, être ministre dans la musique, être un dirigeant dans le ministère des aides ou être un missionnaire, prenez le temps de considérer cela dans la prière si vraiment, c'est ce à quoi Dieu vous a appelé. Alors, c'est un programme qui se fait en 2 ans et ce sera 4 soirées par semaine. Et donc, le programme sera disponible en ligne et donc, vous aurez des enseignements donc, en direct qui seront donnés par nos instructeurs qui sont loin et qui sont expérimentés. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, donc j'aimerais que vous alliez maintenant sur le questions et réponses, que vous puissiez donner votre nom, votre adresse email, et nous allons vous rajouter sur notre liste d'emails et nous allons vous envoyer donc plus de détails avec une brochure qui va paraître cet été. Amen. Voilà. And so you can go and give us your name and email right now in the Q&A. Et donc là, juste maintenant, vous pouvez aller donc donner vos informations sur le Q, questions et réponses. Donc votre nom et votre adresse email. Amen. And then stay tuned to our website for more information about Bible study in the fall. Et donc, pour rester au courant, connectez-vous de temps en temps sur notre site web pour avoir des informations concernant notre étude biblique. And I have wonderful news for you. It's offering time. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour nous, ce sont les offrandes. Most of you have already decided what you're going to do. Certains d'entre vous, vous avez déjà décidé de ce que vous allez faire. But remember, you cannot beat God giving. The more you give, the more God is able to give to you. Mais souvenez-vous, le plus vous donnez, le plus Dieu va vous donner. Galatians chapter 6 tells us that God shall not be mocked. Whatsoever a man sows, that shall he also reap. Galates 6 nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sème, il le récolte. God is so good. Et Dieu est tellement bon.
And he wants to bless us. Et il veut nous bénir. And today, as you give, know that God is pouring out a blessing in your life. Et aujourd'hui, comme vous voulez donner, sachez que Dieu va déverser donc une bénédiction dans votre vie. So you can go to etudebibliquekbm.com to give there. Et donc, vous pouvez aller sur notre site web etudebibliquekbm.com et donc vous pouvez faire votre don. Amen. And Amen. as you do that, once again, if you are interested in our full-time 4 days a week Bible school in French, please go to Q&A and give us your name and your email. Et donc, pendant que vous faites cela, nous vous rappelons que si vous êtes intéressé par notre école biblique, donc qui donnera les cours 4 fois par semaine le soir, vous pouvez laisser donc votre nom et votre adresse email. And if you're on YouTube, I believe you can also put the information. Well, we'll get back to you on that. But you can stay tuned to our website, etudebibliquekbm.com, for more information. Et donc, si vous êtes seulement sur YouTube, c'est mieux de vous connecter sur notre site web pour avoir le plus d'informations possible. Très bien. Okay. So let's pray over our offering today. Et donc, prions pour nos offrandes aujourd'hui. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to give. Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité de donner. We're not bringing our offerings to man, but we're bringing our offerings to you. Nous ne menons pas cette offrande à des hommes, mais nous l'emmenons à toi. As we sow these offerings into the kingdom of God, et comme nous avons semé ces offrandes dans le royaume de Dieu, we are believing you for a harvest on our giving. Nous croyons en toi pour une moisson liée à notre don. That more men, women, boys and girls will be born again. Que plus d'hommes, de femmes, de garçons, de filles seront bénis. Filled with your spirit and rededicated unto you. Remplis de ton esprit et redédiés à toi. We also believe you for a blessing in our own lives according to Mark chapter 10. Nous croyons en toi également pour une bénédiction dans notre vie selon Marc 10. We thank you for it now in Jesus' name. Amen. Nous te remercions pour cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise God. We have a couple questions. You can read the first one in French, please. Dans la parole de Dieu. Do you see it? Nope. Ah oui. How do you speak the word daily to accomplish the tasks yes, of the day? Daily. I believe in the word of God. How can we read it daily? You read it in French. In French. Dans Please. La parole de Dieu, comment la lire dans le quotidien pour accomplir les tâches de la journée? So, regarding whatever the situation is in your life, you speak the word of God. Selon la situation de votre vie, vous devez déclarer la parole de Dieu. And you stay consistent. Et vous restez consistant. Even though you may not see it or understand it, or you want things to change, you have to keep speaking God's word. Même si vous ne la voyez pas, vous ne comprenez pas, vous devez continuer à déclarer la parole de Dieu. For example, if you feel weak, you begin to do what the word of God says. Par exemple, si vous vous sentez faible, vous devez commencer à déclarer ce que la parole de Dieu dit. The Bible says, let the weak say, I am strong. La Bible dit que le faible dit, je suis fort. Nehemiah 8:10 says, the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10 dit que la joie du Seigneur est votre force. It has nothing to do with how you feel. Cela n'a rien à voir avec la manière dont vous vous sentez. And as you speak God's word, you will sense faith rising up.
Et lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous allez voir que votre foi va se lever de plus en plus. And you just continue in speaking God's word day by day. Et vous continuez à déclarer la parole de Dieu jour après jour. Now it's also very important to have a Bible reading plan. C'est aussi important d'avoir un plan de lecture de la Bible. Personally, I read one chapter a day, 5 days a week from the New Testament. Personnellement, je lis un chapitre par jour, 5 jours par semaine dans le Nouveau Testament. Every day, my wife and I Chaque read jour, the Word of God together. Ma femme et moi, nous lisons la parole ensemble. It's so important because the Word of God is food for your spirit. C'est tellement important parce que la parole de Dieu est de la nourriture pour votre esprit. It gives God something to work with. Cela donne à Dieu quelque chose avec quoi il peut travailler. If you don't eat food, your body has nothing to digest. Si vous ne mangez pas de nourriture, votre corps n'aura rien à digérer. If you don't read the Bible, your spirit has nothing to digest. Si vous ne lisez pas votre Bible, votre esprit n'a rien à digérer. And remember this as we close. Et souvenez-vous de ceci comme nous clôturons. The Bible was never intended to be read silently. La Bible n'a jamais été faite pour qu'on la lise silencieusement. It was always designed to be read out loud. Elle a toujours été conçue pour qu'on puisse la lire à haute voix. Proverbs 4, verse 20. Proverbe 4, verset 22. 20, it pardon. Says, my son, attend to my word, incline your ears unto my sayings. Mon fils, prends garde à mes paroles, tends l'oreille à ce que je te dis. If you don't say the word, there's nothing for your ears to incline to. Si vous ne prononcez pas les paroles, il n'y a rien que vos oreilles puissent entendre. So it's very important when you read the Bible, read it out loud, and it's going into your eyes, and it's going into your ears, and it's getting into your heart because you're speaking it with your mouth. Et c'est très important, lorsque vous lisez la parole, de la lire à haute voix, elle va vers vos yeux, vos oreilles, et de cela, elle va arriver jusque dans votre cœur. Amen and amen. Amen et amen. Remember to go to etudesbibliquesKBM.com. And remember, if you're interested at all in our Bible school, to make sure you go to Q&A and give us your name and your email. Souvenez-vous d'aller sur notre site web etudesbibliquesKBM.com et si vous êtes un petit peu intéressé donc pour notre école biblique, donc n'oubliez pas de laisser vos coordonnées, votre nom et votre adresse email sur le chat questions et réponses. And I pray for all of you to have a wonderful and restful summer. Et je prie pour vous tous que vous ayez un bel été, un été bien reposant. At Keith Butler Ministries, we want you to know how much we love every one of you. Et nous, au ministère Keith Butler, nous voulons tous que vous sachiez combien nous vous aimons. And we look forward to seeing you in the fall. Et nous sommes impatients de vous revoir en automne. God bless you.